Et bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de Resident Evil 7. Vous vous souvenez, on avait battu Marguerite. Hein, j'avais galéré, méga galéré, parce que ça s'est déroulé sur deux vidéos finalement le combat. Du coup là, attendez, on a ça qui est chargé. Via pompe, c'est foutu. Le couteau suisse en cas de pépin. Le pistolet à 3 munitions. J'ai eu le lance-grenade, mais il n'a pas fait long feu. Est-ce que je peux faire une combinaison de munitions poudre à canon, fluide chimique fort ou fluide chimique? Est-ce que j'ai du fluide chimique? Non, j'ai la poudre à canon, mais pas ça, malheureusement. Du coup, je ne sais pas. Ok, donc reprendre à Lucas la graduation, trouver les agresseurs du sérum, fabriquer le sérum, trouver le corps du policier. Voilà, donc en gros, on doit retourner dans la maison. Je crois bien que si on regarde ça, c'est dans la salle, dans les sous-sols. Mais non, pourquoi on va dans les sous-sols? Donc on avait eu la tête de ce gentil policier hein, qu'on peut prendre, il n'y a pas des munitions dedans. Ah. C'était le flic t'attend dans la salle de dissection. Bon, je suppose qu'il va y avoir de nouveaux ennemis. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de munitions. Waouh! Mais c'est que l'ambiance change du tout au tout là, une fois qu'on ressort. Ah ouais, ça vous remet dans le jeu direct. Attendez, moi c'est un psychostimulant qu'il faut que je prenne. Pourquoi? Eh ben tout simplement, les amis, pour détecter tout ce qu'il y a à être détecté dans... Et du zombie? Je déteste ça. Bon, vous êtes prêts? Chéri, je suis rentré. Ah ouais, j'ai un petit coup de flip. Je vais en prendre un petit peu là. Des trucs en haut. Qu'est-ce qui s'est refermé? Ah, ouais, bah c'est derrière. Bah pour l'instant, on peut pas y aller. Pas la bonne clé. Donc, il faut aller dedans. Avec 3 balles, ça va pas le faire. Donc, il faut que j'ai le lance-flamme. Hein. Clairement. La porte est ouverte. Je déteste ça. On va faire une petite sauvegarde ici. Bah, ce serait malheureux. Donc ouais. Donc là, j'ai tout ouvert, il n'y a plus rien. Ah, j'aime bien cette ambiance de... Il y a quelque chose là-bas? Ah non, c'est l'ordi. Bon, bah quand faut y aller, faut y aller. Par contre, je ne sais plus si je peux passer... Alors, salle d'incinération. Donc nous, on descend clairement d'ici. Et moi, je dois aller à la salle de dissection. Donc si je passe là, je peux aller à droite directement plutôt que de faire tout le tour. Une fois que je suis là, il faut que j'aille là et là et là. Oh purée. Bon, allez les amis. Quand faut y aller, faut y aller. On va pas jouer notre poule mouillée bien longtemps. Bah, tout ce qui est caché, dis donc. C'est pas là, hein. Attendez. Ah, c'est un cul-de-sac en fait ici. Non, c'est bien là-bas. Mais une fois qu'on est là, faut aller tout droit. Oh là là. Pourtant, je suis venu dans ce lieu. Et je sais pas pourquoi je m'attends au pire. Ah, putain de mémé! Tu fais chier! Oh, en plus moi j'y vais en courant parce que je croyais qu'il allait avoir personne. Oh, peut-être il va avoir Jack.
Ah, y'a un terre. C'est quoi ce truc? Ah, je suis mort. What the fuck, man? Ah putain, mais même ça, ça fait flipper là la page. Bon, clairement, la mémé est là. Putain, mais elle me donne des frissons celle-ci. Elle me donne clairement des frissons. Ah mais je pourrais me créer des balles. Vous savez quoi, je vais repartir. Je vais repartir là-haut parce que je peux me créer des munitions. Du coup je vais aller en créer parce que là ça va pas le faire sinon. Donc y'a rien qui m'attaque. Hein. Et puis là c'est fermé bien sûr, quelqu'un a fermé. Parce que le lance-flamme c'est de la merde, je veux pas dire mais il résiste le machin. Waouh. Ah purée. Ah vous devez bien vous marrer hein. Ah vous devez bien vous marrer. Attendez. Hop, poudre à canon. Voilà. Ça fait toujours zizir. J'espère juste que j'aurai pas besoin d'autre chose. Ok. Hop. Purée les amis. Oh ce jeu de flip. Et, bah, en fait c'est peut-être parce que j'ai fait une pause du coup maintenant. La reprise elle est un peu dure. Alors j'imagine pas Alien comment je vais flipper. Parce qu'Alien c'est clair qu'il fait plus. Enfin il fait plus peur que ça quoi. Mais là bon bah oui. En fait je crois que l'ennemi qui me fait le plus flipper actuellement, c'est elle. Je sais pas si on peut appeler ça une ennemie ou je sais pas quoi, mais... Donc là, il faut que je bouge ou je sais pas ce qu'il faut que je fasse, mais... Clairement... Je vais essayer de le buter, hein, mais si j'y arrive pas, franchement, je... Ah, il est déjà mort. Une balle a suffi. T'es sûr que t'es mort toi? Bon, vous m'en mettez plus d'autres, hein, s'il vous plaît. Ok, ça marche. Ouais. Mon corps doit être en état de rigueur mortis et sont déjà raides. Une puanteur se dégage, il est déjà en train de pourrir. Oh mais qu'est-ce qu'il fait Raoul? Oh mais c'est dégueulasse. La clé serpent. Ah bah on a enfin cette clé à la con. Clairement, je me casse. J'ai pas de munitions. Elle est où cette clé? Allez! Hein? Putain, le réflexe! Mais ferme cette porte, Ethan! Mais what is. Fuck man! Comment je suis trop flippé! Mais non, mais là il me la ferme, bah oui.
vous préviens, s'il y en a un qui vient de m'embêter, je lui roule. Donc on est où là? On est remonté là, je dois refaire ça, d'accord. Ah! C'est un truc qui nous saute dessus! Les amis! Pourquoi je suis parti par là? Pourquoi j'ai pas pris l'autre passage? T'es où? Je suis en train de faire le tour. Mais non! Mais qu'est-ce que tu me fais? Ah! Connard. Ah. Ah les amis. Bah écoutez, j'ai plus de potions, j'ai plus rien, donc du coup, bon bah là, on va avancer. What? Purée, bande de salauds! En plus, ils vous mettent une petite musique stressante, là. Hein, comme si c'était pas assez. Bon. Logiquement, c'est derrière. Mais non, mais c'est pas possible, celle-ci! On peut pas la brûler? La brûler. Les mêmes heures que sur toutes les autres horloges. Un crochet. Mamie, en plus, tu prends toute la place. C'est... What? Oh putain, c'est la chaise qui tombe. Ah, elle me donne des frissons. Avril, Jack rejoint les marines. Ah, c'est Jack. Jack, c'est par où? Elle me saoule. Oh purée, c'est quoi ce débarras, la con? Photo d'un trésor. Je sais pas c'est où, mais je m'en bats les bonbons. Actuellement. On dirait un schéma d'une arme. Lance-grenade. Ah bah oui, clé corbeau, en fait, clairement, je l'ai déjà. Clairement. Ah, on peut transporter plus d'objets, alors ça c'est super cool. Bon mamie, je reviens. Tu fais rien sans mon autorisation, je vais juste voir une horloge. Et où ils étaient déjà les horloges? En bas, je crois. Les portes, ils sont en train de crier. Il me semble que c'est ça, logiquement. Logiquement. Parce que là, on a clairement un gros souci technique. Elle va se mettre à crier, vous allez voir, on va prendre le machin. Ou clairement, on fait tout le tour et puis comme ça, ça va se déclencher tout seul. Non, je crois que c'est bien 10h15. Hein. Enfin, je sais pas si toutes les horloges sont à 10h15. Mais... Attendez.
J'hésite à y aller là. Clairement, je sais pas. Bah écoutez, on va y aller. Oh punaise, les salauds. Ils m'ont verrouillé. Ils m'ont verrouillé. Ils ont pas le droit de me verrouillé. En fait, on repart au sous-sol. Ah mon Dieu! Carte d'accès rouge. J'ai plus de soins par contre, hein, je vous le dis tout de suite. Faut pas prendre une petite herbe. Comment faire venir ici? On est où? D'accord, on est dans l'atelier. Donc là, faut que je sorte par là, à droite. Faut que je fasse gaffe aux monstres. C'est impossible, quoi. Je vais passer par là, les amis. Ah! Oh, ce timing! C'est oufissime, les amis! On y est passé! Ah. On reste ici. En tout cas, on va se quitter ici, les amis. Puis j'ai eu ma dose. Ah, je vous jure, j'ai eu ma dose. En tout cas, voilà, sauvegarde faite. En tout cas, les amis, je vous dis donc à la prochaine pour la suite et portez-vous bien. Bye bye!